Aujourd'hui, on va faire une pizza à la saucisse de morteau. Alors, dans un faitout, on fait cuire 100 g de viande. Aussi, c'est des chipots, mais vous pouvez en mettre une autre. On pèse entre 200 et 300 g de fond. Une fois les saucisses grillées et le fond décongelé, on récupère le gras pour notre cuisson, puis on met le fond, les saucisses grillées, la saucisse de morteau, en garniture aromatique, je vais mettre que des carottes, ici 290 g, puis une cuirasse bombée de piment doux, puis deux grosses boîtes de tomates pelées au jus. Alors, 765 g par boîte. Puis, avec une spatule, on découpe les tomates entières, là, en petits bouts. Puis, on met le feu, on attend que ça boue comme il faut. On rajoute aussi de l'eau. Quand ça boue, on baisse le feu pour que ça bouillonne. Voilà, comme ça. Et on met un minuteur sur 40 minutes. C'est le temps de cuisson de la saucisse de morteau. C'est écrit dessus. Après 40 minutes, on sort la saucisse de morteau. On la laisse tempérer, puis au frigo. On remet un minuteur sur 50 minutes pour finir la cuisson de la sauce tomate. Alors, pour contrôler s'il y a assez d'eau, regardez, en remuant, on voit qu'il y a autant de garniture de boue solide, de gros boue que de liquide. On peut en rajouter un petit peu, petit à petit, pour que ça soit fini d'évaporer à la fin de la cuisson. Voilà, 1h30, là, ça cuit en tout. Alors, regardez, il y a autant de liquide que de légumes, que de saucisses, enfin que de garniture solide, quoi. Il faut pas moins, pas plus. On la mixe au mixeur plongeant. Une fois bien mixé, on sale, on poivre, on mélange au mixeur, on goûte et on recommence si nécessaire. Une fois assaisonné, on change de plat, on met dans un bac d'eau froide un quart d'heure, puis au frigo. Ensuite, sur la plaque noire à l'envers du four, on met une pâte. Voilà. 7 cuillères à soupe bombée de sauce tomate. Puis la saucisse de morteau coupée en tranches d'un centimètre à peu près. Puis on répartit 170 g d'oignons émincés. Il y a au four, au milieu, devant le ventilateur, départ à froid, ventilé, 180 degrés. Voilà, alors ça cuit en moins d'une demi-heure. Pour savoir, on regarde dessous, vous voyez, c'est doré, donc c'est bon. Il aurait fallu mettre un couvercle, vers 20 minutes à peu près, pour pas que ça crame, là, c'est dommage, mais c'est pas grave, ça ira. Donc on met sur une voilette à pâtisserie, à tempérer. Et voilà, bon appétit !